Ok, je vous montre juste comment est le jeu. Mini test, mini plaisir. Bee Island, à ne pas confondre avec BB Island, qui est un truc sur des phoques. Là, on est là. Bon, là, j'avoue, j'avais... Nouveau jeu. C'est juste un petit test. Attends, faut que je redescende. Il y a une petite ambiance musicale. Non, j'avoue, j'aime bien tester des jeux, là, j'avoue. C'est le petit test. Le petit test. Nouveau jeu. Histoire. Boum. Il y a une histoire. Bim, là, c'est l'arène. Le style est pas mal, en plus. C'est un style graphique qui me parle, moi. On teste juste un petit jeu, on découvre. Tu peux partager un peu d'amour aussi. Je peux partager un peu d'amour ici aussi, je suis généreux. Oh. Ok, tu nous excites tous. Regardez la rediff, il est 2h30 au Mexique, j'avoue que mes yeux ont du mal à rester. Clem, petit joueur. Salut les baloches, salut souffle court. C'est pas 3 pommes. Du gel pour toi aussi. Et après le jeu de cricket. Non, non, après on joue l'Europe. On a Astana défoncé, monsieur. Alors, en tant que reine, je vous remercie tous pour votre travail acharné. Et vous souhaite à tous de bonnes vacances de miel. Je sais pas ce que ça veut dire. Boum. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Elles sont contentes. Votre majesté, nos éclairants ont découvert des gisements de pollen sur les îles. Oh, il y a beaucoup de frelons. Oh, il y a des frelons méchants. Boum. Chassons-les. Commencez à construire des fortifications. Aiguisons nos lances. Montrons-nous leur de quoi nous sommes capables. Oh, le bordel. Oh, le bordel. Et là, mon gars. Ok, je vous explique. C'est vachement bien parce que tout se joue sur un temps. Et tu peux pas faire pause dans le jeu. Sauf là, enfin, tu peux pas faire pause et jouer. En vrai, c'est vachement bien. Il se prend pour un gros bourdon. Là, en gros, t'as, je crois, ça, c'est du nectar. Ah, j'avoue, attendez, je sais pas trop, là, au niveau des... Au niveau des trucs, je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. En gros, ça, c'est ta ruche de départ. Non, tu peux pas faire pause et jouer le jeu, tu sais, comme n'importe quel jeu, tu fais petite pause. Et tu peux, tu vois, genre Planet Zoo, on fait pause et on peut jouer. Là, tu peux pas. En haut, vous allez avoir un timer. En haut, il y a un timer, c'est des vagues d'attaque. Les vagues d'attaque, t'as des frelons, t'as des coccinelles en mode bombardier, t'as des libellules en mode guerre du Vietnam, foot du napalm, et après ça te détruit tes petites alvéoles. Et si ça détruit l'arène, t'es mort, mec. Ok? Là, en bas, t'as un petit truc, c'est là où t'as les éléments de construction. Donc d'entrée de jeu, tu vois, on est à 9 minutes de la prochaine vague. Là, on y va. Donc là, t'es obligé de mettre ça, genre tu mets des petites alvéoles. Attends, comment je fais? Ah ouais, attends, je vais faire ça. Genre, tu mets des petites alvéoles, tu vois. Et là, ils vont construire des petites alvéoles. Et ensuite, tu peux mettre des petites... Ça, c'est une usine de cire. Pour produire de la cire. Tac, tac, tac. Tac, on va mettre une petite usine de cire là. Ça fait de mal à personne. Et là, on peut mettre des jardins d'enfants pour foutre des abeilles. C'est un truc de 4. Mettre un jardin d'enfants ici. Voilà. Donc là, faut qu'il se mine le cul, c'est bâtard. Voilà, là, on met deux usines. Tu vois, ça, c'est ta reine. Tu sais qu'au moment, t'as 8 abeilles. Un constructeur d'abeilles, 3 abeilles militaires. Les abeilles militaires, elles sont là, elles sont plus grosses que les autres. Hop, jardin d'enfants. Boum. Pourquoi jardin d'enfants? Parce que là, tu vois que la reine, elle pond des œufs. Là, t'as un œuf. Après, il faut pondre, madame. Hein. Ensuite, les autres abeilles, elles vont amener dans le jardin d'enfants des œufs. Et ça va faire bien plaisir. C'est nul. C'est vachement bien, rigolo quoi, ce jeu est trop bien. Poney alias Maya l'abeille. Faut faire la reproduction et construction des abris pétés. Wow, parlez-moi bien. Là, hop, là t'as deux usines, ça va produire fort. Ensuite, on a fait un petit jardin d'enfants. Et après, faut faire un centre de recherche, très important le centre de recherche. On va le foutre là. Donc il me faut pas mal de trucs. Je crois que c'est ça. Presque. Ah ouais, non, il m'en manque. Pas évident. Pas évident, le bordel. Et du coup, il m'en manque, là, encore. Ah, je crois que là, on est bon. Voilà. Quand on aura construit le centre de recherche, on sera bien. Là, on est bien. Là, hop, direct, je lui demande. Bam, 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 bam. Des abeilles militaires.
Je veux de la baie militaire, là, je veux que ça protège. On va se faire attaquer dans 6 minutes. Faut de la militaire. Là, j'accélère un peu. Et tu vois, là, je sais pas ce que ça, c'est quoi. Du pollen. De la cire. Du miel. Et du nectar. Je sais pas si c'est bien ce que vous venez de faire. À défaut de reproduire les animaux dans Planet Zoo, ils se lancent dans la production d'abeilles. T'as prévu une charpente pour protéger la reine. Machin. Ah ouais, c'est ça, voilà. Il y a de l'ambroisie, de la cire dure, ça on n'a pas encore. Nectar, pollen et tout. Bon, je sais pas à quoi sert quoi, mais je suis content. Ok, là c'est construit, putain. Et on perd un temps fou. Voilà, là c'est construit. Là on est bien. On est bien. Franchement, on a une petite, tu vois, il y a deux œufs là qui traînent. Là, ça produit de la grosse abeille. Est-ce qu'on fait un autre jardin d'enfants, tu vois? C'est une vraie question. Sachant qu'après, ils pourront nous détruire, ces bâtards. Second poteau bavard. Faut qu'on fasse gaffe, quoi. Oui. Oui? Oh, Sinistra! Comment ça va, la culture? Hop, donc là, on avance un peu. On est à 5 minutes d'une invasion. Je vais pas vous mentir que 5 minutes, c'est large. Ok, là, on peut refaire un deuxième truc de gosse. Second poteau bavard. Merci pour tout ce que tu fais pour la planète. Bah, tu sais, c'est 3 fois rien. On s'occupe des animaux, quoi. Ok, là, c'est bon. Centre de recherche. Hop, boum. Les lances. Directement, on fait les recherches militaires, nous. Et là, en gros, bah, t'as un arbre de développement, tu vois. T'as un arbre de développement, et puis voilà, donc ça bosse. À chaque fois, ça vient chercher des ressources. Elle produit des conneries. Nous, dans les usines, on produit quoi? On produit de la cire. Avec de la cire, ça fait du miel. Et en gros, sinon, il y en a d'autres qui vont chercher. Il y a des îles à côté, tu vois. Et ça va chercher du pollen. Qu'est-ce qui est? Bon, bah, eux, ils se branlent les couilles. Eux, ils se branlent les couilles. Je vais vous montrer la première attaque, parce qu'après, si je me lance là-dedans, les gars, c'est terminé, quoi. On est parti sur 8 jours, quoi. 5 minutes d'une invasion. Une invasion, exactement. Là, tu vois, là c'est les grosses, là. Elles ont pas encore la lance. Mais ça devrait pas tarder. Là, elles ont apporté pour le moment des trucs bleus. Donc là, il manque du truc jaune. Est-ce que je peux mettre un petit prio? Là, tu vois, ça mène du truc jaune, là. Donc là, il va y avoir un truc jaune qui va être validé. Tu vois, il y a deux trucs de... C'est quoi, ça? Deux trucs de nectar. Il manque du pollen. Il manque du pollen. Il manque du pollen. Là, ils ont fait du nectar. Il manque du pollen. Mais du pollen, là, à la compte de ta mère. Moi, je vais faire vraiment, pour le moment, des grosses abeilles agressives. Donc là, on a 8 abeilles normales qui font les petits le menu travail. 7 abeilles militaires. Une abeille de construction. L'abeille de construction engagée dans la construction et la réparation de bâtiments transfère les ressources pendant son temps libre. Oh, parce que genre elle aura du temps libre. À d'autres. Hein. Bon, bientôt la lance. Bientôt la lance. Merci Soron. Soram. Soram 1, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. C'est juste beau. Là tu vois, il y a... C'est juste votre vie. Là la lance c'est fait. On peut également faire du hashwack. Mais usine de miel c'est bien aussi. Musique produit du miel en consommant du nectar et du pollen. La 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 Beaucoup trop de dents sur ce live. C'est du pollen. Je veux savoir comment ça se fait qu'il y a plus de... Qu'il y a plus de petits bureaux. Marty. Lundi, il y avait un petit bureau, Marty. 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 Alors là, vous me faites peur, mais en podcast, il y est, non, le nouveau. Lundi, on en a fait un. Je l'ai redécoupé. Il y a une vidéo qui est tombée hier. En gros, il y a une vidéo par jour à 17h qui tombe sur ma chaîne YouTube. Il y a le replay, la VOD qui est dispo. En podcast, normalement, c'est dispo. Ouais, 21, le retour. On est de retour. Bah ouais, elle y est.
Ah oui? Mais bien sûr que je t'entends. Voilà, une petite voix éraillée là. Au gosse. Bien sûr que je t'entends, tata! Quel est le problème? Un an de plaisir Marty. À te suivre pour le nez. Bon anniversaire, merci beaucoup. Les petits indiens. Oh, les un an, merci infiniment, c'est juste beau. Merci beaucoup, Ultra Fonzikovic. Chantal Latsou, c'est ça. Salut, c'est Tata Latsou. Alors, moi, ma référence, c'était plutôt Omar et Fred, mais... Le mec est tellement abus de lui-même qu'il écoute ses propres podcasts en live. Honteux. Alors, regardez une vidéo de moi dans 5 minutes. Attendez, j'ai une attaque dans 1 minute 20, mais l'autre, il s'en branle. Là, on est pas mal. Après, abeille militaire, je vais en mettre 3, tu vois, j'aime bien le chiffre rond. Là, abeille, il en faut 2. Voilà, attends, non, on est bien. Voilà, comme ça, il y aura des chiffres ronds sur les abeilles. Ok, là, nouvelle structure. Charnière améliorée, les installations de charnière, plus de vitesse. À l'abri, c'est intéressant. Ok, donc là, dans 50 secondes, on se fait détruire. Mais on a de la grosse abeille. Attends, j'avoue, ce qui est marrant, c'est de débloquer ça. Ça, c'est marrant, j'aurais dû vous le montrer trop plus tôt. Et là, après, du coup, tu peux grandir. Mais tu peux te mettre des... Enfin, ça dépend comment t'as envie de construire, tu vois. Moi, après, je vais leur dire de se développer, quoi. À un moment donné, il va falloir qu'on se protège. Ok, on a attaqué. Par où on a attaqué? Par là, il est là! Il est là, le bâtard! Fumez-le! Fumez-le! Fumez-lui ça! Oh, ils l'ont défoncé! Oh, il le défonce! Eh, le frelon, là! Nique-lui sa mère! Nique-le! Nique-le, le frelon! Ah, c'était la première vague, hein. Eh, la première vague, c'est Easy Love. Hein. Ces méchants frelons nous dérangent encore! Pensez que s'ils sont plus gros, ils peuvent tout faire! Cette fois, nous avons riposté, mais nous ne pouvons pas nous détendre. Montrez à ces rayés de quoi nous sommes capables. Bam! Là, mon gars, je peux te dire qu'on va bien leur montrer de quoi on est capable. Réduisons l'entraînement des ailes à améliorer. Télescope, augmente la portée. Nous, on développe énormément la guerre. Frelon futé. Une formalité. C'est un frelon asiatique, celui-là. Exactement. Tac, tac, tac. On a commencé à développer des trucs, hein. Bonjour Pony, merci pour le mog. Malheureusement la hanse a cédé, pas assez large pour mon set. Pardon? Non, en vrai, le mug a cassé? Mais les gars, mais vous faites quoi avec les mugs, sans déconner? Il a vraiment pété? Je suis abattu les gars, vous le faites exprès. Oh putain, je peux faire une usine de miel! Putain, je suis con. Ouais, usine de miel, c'est un peu plus relou. Usine de miel, on va les faire comme ça. Oh putain, sérieux? Prochain live, Panay nous apprend comment détruire les algues bleues. Moi, je voulais, je vais regarder le petit bureau en relief. Bonne journée, les gars. Bisous, Marty. Ouais, en vrai, on s'est bien marré. Développe-moi cette rue, je t'en conjure. Tu te bats contre Beber le frelon. En même temps, vu la communauté, ça te surprend que ce soit des brutes avec qui cassent des mugs. Bah, ça me surprend pas, mais ça m'embête un peu quand même. Ok, le à l'abri, les... Oh, la balise, mon gars, ça va être trop bien. J'avoue que je développe la guerre. Je développe la guerre au début. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, j'ai tout. Je développe la guerre. Vous m'en voulez pas, on est très axé guerre pour le moment. On est dans un axe guerre. Et on développe pas le reste plus tard. Parce que là maintenant, oh là là maintenant, regardez ce qu'on peut faire. Oh là 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 là, ce qu'on peut faire maintenant. On va rigoler. Hein. On va rigoler. Ah bah là, les prochaines attaques, là, on va leur faire la bite. Là. On leur fait la bite sur les prochaines attaques. Là. Ah, je vais... Ah, pardonnez-moi. On risque d'être un peu vulgaire. On leur fait la bite sur les prochaines attaques. Là, on a du monde qui arrive. Là, elle pompe ou pas? On n'est pas ennemi mort 1. On est un peu... c'est quoi le chéri? Ça doit être Cire, mais ils ont fait une faute de frappe. Terme technique chez les abeilles, bien sûr. C'est quoi le nom du jeu? C'est Bee... normalement, je l'ai mis. C'est Bee Island. Bee Island, il vaut 10 balles.
Moi c'est plaisir, moi ce genre de jeu c'est plaisir. Attends mais par contre développez là ici s'il vous plaît. Ah mais ils sont partis butiner, putain j'ai pas assez d'abeilles. J'ai pas assez d'abeilles. Attends, suce à la guerre pour le moment. Voilà, faisons des abeilles. Tu vois, elle a tout pondu là, il faut s'en occuper les mecs. Quand même, tu peux arrêter tes prods. Ça c'est du stockage. Là ça doit être des trucs un peu de détente. Non, elles en branlent pas une quoi, il faut le dire. Faut le dire, hein, les abeilles c'est des branleuses. Non mais là c'est... Là c'est... Voilà, mettez des stocks. Comment vous voulez qu'on survive? Putain, je peux pas mettre mon truc de miel. Hein. Ouais, il faut qu'on chope plus d'abeilles. Hein. Voilà, tu vois, là on va mettre beaucoup plus de butineuses. Il nous faut de la butineuse. Là on a 8 abeilles, 7 abeilles militaires, ça va, tu sais, au début c'est les premières vagues. Puis là, regardez. Allez. Ouais, le jeu est rigolo là-dessus. Le jeu est rigolo là-dessus. Mec, je m'attendais pas à ça. Regarde-moi ça. Allez. Voilà, bon, on rigole quoi, on va se marrer quoi. Voilà, on va se marrer quoi. Madame Poney a trouvé une tondeuse. Pour quel motif? Le plaqueur fou de Twitch. Oh, Jack Bauer, c'en est des mots un peu graves, ça. Plaqueur fou, on peut pas dire ça. Mes cheveux. Ah, mais c'est moi qui me coupe les cheveux tout seul depuis des millénaires. Depuis des lustres. J'aime pas trop les coiffeurs. J'avais trouvé un bon coiffeur en qui j'avais confiance. Il m'a abandonné. Il est parti. Est-ce que je mets une usine? Je vais mettre une autre usine là. Voilà, là je mets une autre usine. Là je vais mettre une petite zone de protection. Et là je pourrais mettre un autre truc pour le moment, mais je peux pas mettre grand chose. Là je vais mettre un truc de protection. Faut que je mette des trucs de protect quoi. Là on accélère. Voilà, ça construit des petits trucs, là ça construit des petits trucs, c'est bien. Hop, là on a dit qu'on mettait ça là. Là, hop, on a dit qu'on mettait ça comme ça là, des petits trucs de protect. Voilà, on protège la ruche. Ça je sais pas, je vais me le laisser. Ouais, que dalle, je vais en mettre une. Allez, hop. Et là, voilà. Parce qu'après, ils détruisent tes petits trucs en fait. Dans 1 minute 15, mon gars, il va falloir qu'on ait de la protect. Voilà, attends, est-ce que j'ai développé des... Mec, j'ai rien en développement là. Ah si, j'ai les balises. Ah si, il manque juste un truc. Oh, la baliste. Mec, après on envoie des énormes... Parce qu'au bout d'un moment, ils vont nous attaquer avec des coccinelles. Il me tarde de voir l'adaptation cinématographique de ce jeu par Michael Bay. Swansea ou Swansea, pardon monsieur. Non, mais Swansea arrive, hein. Swansea arrive. Mais là, c'est juste que là, je vous montre... Juste hier, moi j'aime bien les Tower Defense et j'aime bien les City Builder. Et c'est un truc qui mixe tout et j'aime bien les animaux. Ça mixe tout, mec. Et en vrai, le système est sympa. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Parce que là, c'est que le début. Moi, c'est vrai que j'axe assez sur la guerre et pas trop sur le développement. Des coccinelles, les voitures, pas les bagnoles. Ça manque de jardin d'enfants. La reine peut plus pondre. Non, en fait, la reine, elle pond 6 au max. Tu vois, là c'est libre. Faut juste que eux, à un moment donné, ils développent. Là, on a combien? Là, on est à 10 abeilles, 7 militaires. On a pensé quand même à développer le côté militaire. Et du coup, ils priorisent, tu vois. Voilà, je leur dis de pas prioriser. Ok, on se fait attaquer. Ils attaquent par où, les bâtards? Oh, il attaque par là, ce bâtard. Bah là, mon gars. Y'en a qu'un? Oh les bâtards! Dans sa gueule! Là j'attends que ça recharge. Voilà les gars, on les fume! Mec, c'est trop bien. Je te jure que c'est... En fait, tu peux ne pas les gérer, mais si tu les gères, c'est quand même super marrant. Parce que t'es nul. Maintenant, on va installer un petit truc. On n'a pas encore les balistes. Quand la balise va arriver, mon gars, bah.
La baliste est là. Oh la vache. Installer une corde. Tout de suite, tout de suite. Attends. J'ai tout ça ? Ah, j'ai tout ça. Bon, j'avoue, attends. Je vais d'abord faire charnière améliorée. Là, on est à 9 minutes. Tu regardais la vidéo de présentation, ça devient du délire. En late game, les mecs ont fumé en faisant jeu. Ah ouais ? Get the Storm, tu pourrais aimer, je pense. Retrouver dans la boutique de miel de poney à base de testostérone, la bagarre. Mais la bagarre, c'est primordial. Faut pas croire, la bagarre, ça reste la base de la vie. Hein. Là, les gars, maintenant, on peut mettre des balistes, mon gars. Là, je peux pas la mettre. Mais je peux la mettre là. Oh, Votre Majesté, j'ai une nouvelle importante. Nos éclaireurs ont remarqué que les frelons ont fait équipe avec les libellules. Ces salopes. Selon nos données, les libellules vont cibler nos bâtiments et pulvérer une sorte de substance toxique. Je suis dyslexique. Une sorte de substance toxique. Les libellules, les salopes. On n'oublie pas de dire que les libellules, c'est vraiment des connards. Voilà, là on stocke. Là, mon gars, là, les libellules, là, t'inquiète qu'on les attend, ces bâtards. T'inquiète qu'on les attend. T'inquiète qu'on va bien les attendre, ces petits bâtards de libellules. T'inquiète, je suis en train de préparer les petites balistes, ma gueule. Petite baliste, ma gueule, là. On a quoi à construire pour on a que dalle. Ok, on a rien de plus à part les balistes. Ça bosse là-dedans ou quoi? Là-dedans, on a mis quoi? Ah, je crois que c'est des amélios. Ouais, amélios, charnard amélioré, dans 10 secondes. 10 secondes. Après, on peut faire de l'hydromel. On peut faire une petite fontaine. On peut faire à l'abri aussi. Vous pouvez ordonner aux abeilles ouvrières d'arrêter de travailler et de voler vers l'arène. Déverrouille le bouton alarme dans le jeu. On va faire ça, ça me semble bien, c'est dans les premiers trucs. Ok, est-ce qu'on peut faire un petit... Je te jure que le jeu, moi, ça me bute, ça. Là, on a la zone de production, l'arène, qui est quand même l'arène, la personne la plus importante à protéger, quand même, concrètement. Genre, par exemple, pour Lio, Sinistra, c'est sa reine. Donc, il la protège. Mais en vrai, c'est elle qui le protège. Mais bref! Ça te butine, on butine, là. C'est que de la gueule, les libellules, de toute façon. Viens sur l'autoroute, la libellule, viens. Allez, les gars, faut bosser, là. Oh, putain, il y a un nouveau truc. Vas-y, seau d'aluminium. C'est quoi? Pour réduire le poids du seau en faisant de l'aluminium. Ah, fais ça, alors. Ouais, fais ça. Là, j'ai accéléré. Des fois, j'accélère, tu vois. Faut faire gaffe, parce qu'il y a quand même un peu de... On est comment? On a 14 abeilles normales. Il nous manque de la guerre. Il nous manque de la guerre. Attends. Il nous manque de la guerrière. Ouais, c'est bon. Il y en a 3 qui arrivent. 3 qui arrivent, on en aura 10. On a 5 constructeurs. Et on va avoir 15 abeilles normales. Et du coup, on va augmenter. Et là, on va augmenter. Voilà. On va passer à... Tu vois, on va essayer d'avoir quand même une belle armée. Pas forcément pour faire la guerre, tu vois, mais une armée de défense, quoi. Tu vois, ça va butiner pas loin. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'amener, en fait, là, des sources de prod. En vrai. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser. Là, on part de là, mais la vérité, c'est que... Là, t'as butinage. Déjà, je vais faire des balistes pour que vous kiffiez. Attends, là, on a déjà développé des trucs. Double fond. Les abeilles entraînées pourront recoller plus de miel, récolter plus de miel. D'accord. Est-ce que c'est pas préparation améliorée? L'entraînement des ailes. Les abeilles du défenseur pourront intercepter les frelons plus rapidement. Bien sûr. On dit pas enfanté pour les humains, on dit maître bas. Ah bon? Quand même, on dit, non? Allez, les gars, il faut que je mette des balistes, là. Faut que je mette des balistes. Ils s'amusent pour de vrai ou ils jouent un rôle? Ah, premier dog, j'aime trop ce genre de jeu. Hein. Premier dog. Santi, aujourd'hui, c'est die. Mais bien sûr que non. Je vous montre pendant 20-25 minutes le potentiel de ce jeu. À quel point c'est un plaisir. Voilà, on a le droit de faire des petites découvertes. Bee Island, je note. On a le droit de faire des petites découvertes. On fait des petites découvertes et puis après, on va voir Swansea. Non. On veut le cosplay Maya sur la prochaine section, c'est pas con. Putain,
putain, donc là ils ont fait les trucs. Meule de foin. Une botte de foin fera un excellent casque. Augmente les points de vie des abeilles défenseurs de 20%. Hydromel. Plus il y a de miel, plus il y a de miel. On a besoin de ça. Ah, en même temps, on va mettre ça pour le moment. Ok, là on peut faire les balistes ou pas? Putain, mais... Putain, putain, il en manque un de chaque, là. On est dans 50 secondes, on l'a dans le cul. Les mecs, la prio, elle est là. Allez, 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 on priorise, là, allez. Allez, on se sort les doigts du cul, on n'est pas des fourmis, mais quand même. Non, mais qu'est-ce qui branle? Ah ouais, ah, t'as le cercle. T'attaques. Je préfère ces tutos drogue. Me donne envie ce jeu. Imaginez le stream de demain sur ce jeu et poney déguisé en abeille. Je pleure d'avance. J'ai pas de truc d'abeille là, mais... J'aimerais vous dire oui. Ok, la priorité. On priorise. Construisez-moi ça. Dépêchez-vous. 15 secondes, on se fait attaquer, bordel. 15 secondes, on se fait attaquer. Faut sortir le... Ah mais attends, on a toujours pas mis de protection là. On a une ruche de... qui se branle les couilles un peu ou... Peut-être qu'il faut que je mette plus de prod. Là, hop. Je rappelle tout le monde. Attends, est-ce qu'on n'est pas loin d'être construit? Est-ce que je rappelle tout le monde? On se fait attaquer d'où? Parce que là, il y a des libellules, hein. Faut pas oublier les libellules. Ok, il y a lui. Alors lui, on le défonce. Bah, 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 bah. Oh bah, d'accord. Bon, alors le frelon, c'est... Ciao, bye, bye. Là, il y a quoi, là? Ok, il y a double frelon, double frelon. Elle est où, la libellule? Ok, bah lui, il se fait fumer. Elle est là! Fumez la... Putain, mais... Fumez la libellule! Putain, elle nous met du gis plein la gueule, là! Non, ça peut abîmer mes trucs, ça peut les détruire. Ah, putain, elle m'a détruit un truc, là, salope. Aïe, 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 ça détruit mes trucs. Allez, c'est mort ou pas? Fumez-le! Fumez-le! Ok, c'est bon. Ah là. Eh, quand même, elle a foutu ça au son gis de merde! Putain. Me dégoûte. Attends, on va se faire quand même déranger là. On va leur dire de construire un peu sur l'arrière. Après, il y a les coccinelles, les gars. Ça, c'est les coccinelles, c'est des salopes. Ok. Bon bah vous avez l'idée quoi. Bonjour Panay. Donne-moi ton miel, je t'en conjure. Combien de subs pour un cosplay abeille? Ouais, tu sais, y'a pas besoin de... Sub toi si ça te fait plaisir. Mais je ferai potentiellement un cosplay abeille, hein, bien sûr. Si vous voulez un cosplay abeille, je ferai un cosplay abeille, faudrait que je trouve quoi. C'est une OP avec Arthur via des ruches. Ça a changé FM. Ça arrive, mais là ce jeu-là, mon gars, c'est plaisir. Bee Island, c'est plaisir. Bee Island, j'ai vu personne y jouer, hein. Mais il est bien noté, hein. Honnêtement, il est marrant. Merde, il se... Mais barrez-vous. Ah ouais, je suis un connard. Je suis un connard, toutes les abeilles étaient en train de me... Ah ouais, mais si je suis con aussi, bah, ça m'aide pas, quoi. On est comment, là? 13 guerrières. 19 abeilles, Attends. 20 et 15. Ok. Là, j'ai mis aucun. Ok. Ça, on est en 20 et 20, c'est impeccable. Je pense qu'il faut que je fasse de la prod. Hop, protection. Protection, les gars, c'est important de se protéger, les gars. Protégez-vous, hein. Protégez-vous, mettez des balistes. Double fond, corde, lait. Moi, je suis à fond sur le côté militaire. De toute façon, on doit résister aux vagues. Voilà. Alerte, je vous informe que nous sommes premier stream monde sur Bee Island. Premier stream monde sur Bee Island. Ah, peut-être. Après, Arthur, il est quand même assez monogame. Hein. Moi, c'est un des trucs que je trouve, c'est dommage parce qu'il pourrait... Il est fort pour faire vivre d'autres trucs, quoi. Régime, cordes. Allez, on fait des cordes. Moi, je vide tout ce qui est guerre. Et c'est vrai qu'il faudrait que je développe un peu l'industrie, là. Là, il faudrait un peu développer les... Voilà, on développe un petit peu ça. Là, il faudrait mettre du stockage.
Voilà, on met un peu de stockage ici. Et on se démerde. Attends, non, là, non. Ah, comment je fais? Ah non. Bon, tant pis. On met du stockage et ça produit, tu vois. Là, les balises sont là. Ah putain, mais ça va vite. Fait du double fond, c'est bien. Après, tu vois, tu peux avancer, quoi. Là, on est comment en termes de... Putain, c'est déjà produit? 20, 20, 20? Ok, toi, tu me produis ça. Toi, tu me produis des guerriers. Voilà. Voilà. Bon, là, on est pas si mal, hein. Là, on produit bien, on est pas si mal. Non. Ok, table de compétences. Boum, régime. Et non pas régine, rien à voir. Et voilà, moi qui voulais bosser, je me retrouve à regarder des abeilles. Ce butinel d'art, je vais couler ma boîte. Non mais attends, Joker, tu vas pas couler ta boîte, c'est juste que là, c'est important. Ok, on se fait attaquer. Ça vient d'où? Là, mon gars. Là, mon gars, là, c'est... Là, c'est... Attends, merde, faut que je dise de rentrer au bercail. Ils sont où, les bâtards, là? Oh! Oh, il s'est fait pulver! Oh, alors, elle, focus. Non, mais... Focus, la pute, là! Merde, bon, elle était déjà morte. Je l'ai raté. On se fait attaquer? Je l'ai raté, bah, c'est pas évident, hein. Voilà! J'ai tout raté. J'ai officiellement vraiment raté l'intégralité de mes shoots. Marteau de Thor! Ils connaissent Van der Merve? Ok. Ils connaissent Van der Merve. Bon, là, nous, on va se développer là. On en fait des caisses, tu vois, puis on verra plus tard. On complète, tu vois, comme ça, on aura des possibilités de... Une petite zone, quoi. Tu vois, ils vont faire des petits trous et puis on va se démerder. On rajoute des petites zones. Après, je me demande si on devrait pas aller genre vers un truc un peu plus proche, tu vois. Genre si on devrait pas aller vers de la butinance. Tu vois, avec une sorte de baliste là. Oh! Votre bienveillance. Nouvelle, nouvelle. Nos éclairs ont remarqué que les frelons ont fait équipe avec les coccinelles. D'après nos données, les coccinelles vont cibler vos bâtiments et y déposer leurs larves. Vous êtes en train de me dire qu'il y a des coccinelles qui vont venir chez moi. Enlève l'alerte. Putain, t'as raison, ça fait une demi-heure que je suis en alerte. Et qui vont implanter. Les coccinelles, c'est grosse pute, t'as totalement raison, Sinistra. Les salopes. Elles vont balancer leurs jeans sur moi. Ah, les salopes! Et là, on fait un truc de prod. Là, on va se mettre un truc de production. Comme ça, c'est pas loin de la source première, quoi. Ah, putain, je suis un génie. Ok. Après, je sais pas si on a besoin de faire ça. Bon, là, elles ont du boulot, hein. Là, elles ont du boulot, mais attends, les coccinelles, va quand même falloir qu'on les attende. Je pense qu'il va falloir qu'on... Il va falloir quand même qu'on se mette tous d'accord. On va mettre une baliste, là. Là, la prio, elle est là. Voilà, je priorise là, comme ça, on va mettre un gros baliste. Oh là là, c'est beau. Là, dans 3 minutes, on se fait pulvère. On est comment? On a 20 abeilles normales. 21 abeilles militaires. Là, on est comment? On produit pas trop de sherry. C'est quoi le sherry? On a du miel? Sherry, c'est le miel, vous pensez? Faut sortir le glyphosate. Le génie a compris. Coccinelle, les gars, ça va, bien sûr. C'est mieux rodé que la tactique de Swansea. Waouh. Waouh, waouh, quand on va gagner dans 20 minutes, là. Un génie, je sais pas, mais on voit nous l'HPI, on est à ton image. Poney égale chéri, c'est bien possible. Parce qu'il y a du pollen, il y a de la cire. Le nectar.
Non mais c'est une technique ça. Là c'est quoi? Ça c'est voûte de miel, pollen, nectar. Ça c'est quoi? Cire. Putain merde, je peux construire ça déjà. Voilà, prio les gars. Prio les défenses hein. Là on a des nouveaux trucs. Petite fontaine. C'est une chose quand l'eau est là, c'en est une autre quand c'est un jet qui s'élance vers le haut. Bien sûr, petite fontaine en priorité. Petite fontaine en prio, bien évidemment. Là, on va mettre une zone de production. Voilà, petite zone de prod. Il faudra qu'on mette du stockage. Ça, ça produit quoi, ça? Usine de cire. Second poteau pavard. Mon streamer GBZ préféré. Terme technique. Merci Calden, merci beaucoup. Le fils français, bien évidemment, merci. Slitan, merci tout à l'heure pour le 13e mois. Bienvenue. Un petit jet, le petit jet là qui fait plaisir. Ne dit-on pas le petit jet qui fait plaisir? Voilà, ça s'est construit, c'est bien. Là on est comment? Ça produit de la... ça produit de l'abeille. 23, 24. Pas mal quand même. Eh, 23 morts, aucune abeille morte chez moi. Après on a un système défensif qui a été mis en place. Salut Pony. Oh, des palmiers, plante un palmier, ajoute du confort à votre ruche. Va bien, point d'interrogation à la ligne. Moi je suis fatigué, ma fille d'un an marche et ne veut plus dormir, virgule. C'est fatigant, virgule, comme ce message, beaucoup trop long, point final, cœur. Mais je peux mettre des petites fontaines. Petite fontaine là. Ça va faire plaisir ça. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Une chose quand le... ça sert absolument rien. Hein. Ça n'est d'aucune utilité. Ça sert à rien. On est tous d'accord pour dire ça. Et bah super. Et bah on va faire des palmiers du coup, vu qu'on est con. Le petit jet là. Petit jet de plaisir là. Ah mais si ça met... mais du coup, enfin, ça fait quoi? Quelqu'un sait à quoi ça sert? Ça sert les fontaines, c'est juste beau. Ah, c'est beau, ouais, ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir, y a pas de... enfin, j'ai rien contre, hein. Là, on mettra peut-être un truc là. Non, non, ça fait plaisir. Enfin, juste, ça fait plaisir, quoi. On est hyper content d'avoir ça, quoi. Juste parce qu'on n'est pas des salopes. On va se mettre une petite protec, là. Bam. Sachant que c'est quand même ici notre zone de protection principale. Professeur. Les scientifiques améliorent leurs compétences. D'accord. On a des professeurs, nous? Hydromel. Vas-y, on fait hydromel. Après, on aura nouvelle ère. Pas si pire, c'est pas si pire. Là, il y a de la prod un peu. On se fait attaquer! On se fait attaquer, il y a des salopes de coccinelles! C'est attaque d'où? L'attaque d'où? Oh putain, la salope! Oh! Oh! Tirer sur qui là? Ah oui, oh ouais, les. Oh, oh là, ça. Oh ouais, d'accord! Oh ouais, les frelons! Oh les fro... attendez, on peut focus. Ouais, voilà. Ouais, les gars, vous êtes bourrés ou quoi? Ok, on focus. Focus la grosse. Non, mais il faut... ah ouais, non, lui, c'est un bâtard aussi. Oh, mec, il a été descendu en flamme. Eh, tu sais qu'en vrai, les animes, elles sont galeries. Hein. Les mecs. Boum. Attends, vous le fumez. Là, focus. Elle nous jette des larves. Elle nous jette des larves. Elle nous jette des larves. Allez, le foot. La 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 la. Allez, le foot. Le son des sélections des box du jeu. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, j'avoue, ça c'est... t'as raison. Je l'avais baissé pourtant. Musique sympa, y'a rien à dire. Je pense que c'était effet sonore.
Attendez, là, on a baisé les... On les a baisés. Ok, on se fait une dernière vague. On se fait une dernière vague et on continuera plus tard. Là, on fait de l'hydromel. On a du pincho sur la planche, hein. C'est Pearl Harbor. Bah, j'avoue, le bah, c'était un peu insupportable. Comme disait Kelly Slater, on veut les abeilles. Vous aurez les abeilles, hein. Le replay sera sur YouTube, bien sûr. Ok, bon, attends, doucement, là, on peut construire des trucs. Là, on a dit... Ah putain, il me manque ça, mais sans déconner. Je peux pas le mettre nulle part. Ok, là, on va mettre une autre prod. Je te mets une autre prod là. Ah, oh, je peux te mettre un palmier de ta mère. Oh. Hop là. Ah ouais. Ah ouais, ça sert à rien, mais ouais. Ah ouais. Ah ouais, l'intérêt est limité, mais... Pourquoi vous permettre d'accumuler plus de ressources? On fait ça. Ah ouais, non mais l'intérêt est limité, mais on est content d'avoir ça. Ok. Là, on stocke. Tac. Je pense qu'on est sur du génie. Après, bon voilà, il y a diverses écoles, hein, mais... pour moi, on est sur du génie. Voilà, et on est quand même dans une phase de protection, tu vois. Voilà. Voilà, et là on a stocké, là. Là on a une usine de production qui est pas loin, tu vois, du butinage. Ça c'est les zones de butinage, là, tu vois, genre là, ça butine, oh, tu butines. Butine-moi la gueule. Ça on est d'accord, ça sert absolument à rien, quoi. On a des palmiers, mon gars, et des fontaines, quoi. Là, on va refaire du miel. Attends, on refait du miel. Je me disais, à quoi sert le palmier pour qu'il s'excite comme ça? Juste après, il balance. Ça sert à rien, mais c'est joli. Le dégradé. Quel dégradé? J'ai tapé vidéo Bee Island. Voir s'il y a du contenu. C'est pas le même délire. Il y a des vagues et de la cire aussi. Mais c'est différent. Quoi? Filtre! Le nouveau filtre filtrera mieux la saleté. Bam! Là, on a augmente la prod. On se met bien. On est comment en termes de bébés, là? 30 abeilles militaires, 28 abeilles normales. Ah ouais, mais je pense que ça produit plus rien. Ok, donc les deux autres, là. Ok, on produit ça. Après, les abeilles militaires sont un peu connes, genre... No offense, hein. Mais elles vont un peu tout le temps dans la même cible, quoi. Ok, ça en produit. Tu sais, elles attaquent un peu en groupe, quoi. Elles se dispatchent pas. C'est un tower defense, mais il faut faire attention, quoi. Là, on a envie de construire un truc agressif. Je suis d'accord avec vous. Petite balise, là. Une petite balise, là. Oh là là. Oh là là. Oh là, venez de là. Venez de là. Ah, les coccinelles qui viennent de là, elles vont se faire recevoir, je te le dis, ma gueule. Après, il faut quand même Non, mais quand même, c'est important. Et on met un petit palmier, là. Voilà. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Ça me semble pas trop mal, hein, en termes de prod. On n'est pas si mal. Hein. Là, on est bien. Là, t'es bien rempli. Ah, il y a une case, là, qui sert à rien. Oh! Voûte de cire. Bah, c'est vachement bien, ça. Ah, mais maintenant, je peux stocker de la cire. Bah, stock, hein. Les mecs... On va stocker. Je pense que c'est important de stocker. Je comprends pas trop l'idée, mais... Là, on fait professeur, après on débloquera ça. Sommes prêts à passer une nouvelle étape. Moi, j'aime bien tout débloquer. Je suis un peu un foufou là-dessus. Dans 50 secondes, on est bien. Est-ce qu'il y a des endroits où je peux peut-être protéger un peu mieux? Voilà, on met des petits trucs à droite, à gauche. C'est jamais, tu sais, si on... C'est fourbe, hein. On risque de se faire attaquer, tu vois. C'est fourbe. Pas assez cher le coiffeur. C'est quoi le problème du coiffeur? Pas passé chez le coiffeur. Mais pourquoi vous me dites ça aujourd'hui? C'est quoi le problème? Y'a quoi? J'ai rien touché par rapport à la dernière fois. On leur demande pas de réfléchir mais d'exécuter les ordres. Voilà. Réfléchir, c'est commencer à désobéir. Ah.
Putain. Bon là, on va se faire attaquer par je sais pas quoi. Je sais pas où. Il est bien le jeu, non? Quand même. Après, faut aimer les Tower Defense. Bien évidemment, ceux qui sont venus pour un Football Manager, bon, l'ambiance est différente. On y va hein, dans 5 minutes. Hein. Là, on se fait attaquer. Ok, une coccinelle de ouf. Je l'ai fumé, non? La fume pas, là? Oh ouais, on l'a bien baisé. Attends, ça la fume pas? Voilà, dans sa gueule! Voilà, ça tombe comme des mouches! Enfin, plutôt comme des coccinelles. Wow, on s'est fait fumer! Ah, il y a le feu! Ah non, c'est elle qui meurt. Ok, autant pour moi. Ok, on les a fumés. On les a fumés! En même temps, on a... Mec, on a plus de défense que d'attaque, quoi. Que de production. Nous, on est vraiment une nation guerrière. What? Ok, bah c'est tout le problème, c'est que si ça, ça t'arrive sur ta ruche, t'es baisé, quoi. Bon, vous avez compris l'idée. On a assumé les 5 premières vagues. On a compris l'idée de Bee Island. Ça défend mieux qu'à Swansea. Squalala, très déçu de ne pas voir de cosplay sur ce jeu cependant. Je suis d'accord avec toi, Squalala. Cependant, c'était pas prévu que j'y joue. J'ai découvert ça hier soir. J'ai trouvé ça très bien. Donc là, c'était juste une petite démonstration de la puissance du jeu.